voilà donc à peu près à quoi ressemble la légende de Zelda. Une question? Téléphonique au nom de mon voisin, qu'est-ce que ça fout là? Et une photo de mon voisin avec sa femme, merde alors, où est-ce que j'ai atterri? C'est le légendaire mauvais jeu. Monsieur Vanier, c'est vous qui avez cassé le mur? Je sais. Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je t'ai appelé des secours. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais exaucer un de vos rêves. Puisqu'en fait, je vais tester le jeu. D'ailleurs, c'est le jeu, je crois, qui m'a été le plus demandé. Alors, c'est pas seulement un mauvais jeu, en fait. Là où ça devient criminel, c'est que c'est un mauvais jeu qui a ruiné, qui a souillé une saga qui, avant ça, était magique. Non, sérieusement, Legend of Zelda, c'est certainement la série de jeux vidéo la plus connue au monde. On a tous un Zelda préféré. Beaucoup de gens vous diront que c'est Ocarina of Time qui a vraiment marqué l'entrée dans l'ère moderne des Zelda. Moi, perso, mon préféré, c'est Link's Awakening. Et Zelda, surtout, c'est quand même une série de jeux vidéo qui a été sans faute. Tous les jeux Zelda, même ceux qui étaient très durs, étaient géniaux. Bref, tout était parfait et personne n'aurait pu imaginer la suite des événements. Jusqu'à ce jour d'octobre 93, où par un temps de pluie, dans une prairie abandonnée, la franchise de Zelda a été sauvagement violée, à 3 reprises. Les coupables, les voici. L'équipe Joueur du Grenier a voulu en savoir plus sur ce crime atroce, et c'est un reportage que nous vous proposons. Link Face of Evil et Zelda Wand of Gamelon. Et oui, j'ai dit Evil et je vous emmerde. Sorti sur la CDI de Philips, une console sortie en France en 92. Pour l'histoire, donc, normalement, Philips et Sony étaient en course pour créer un support CD pour la Super NES, exactement comme pour la Mega CD avec la Mega Drive, mais l'accord n'a pas abouti. Sony finalement choisira de développer sa propre console, qui deviendra la PlayStation quelques années plus tard, et pareil pour Philips, qui a recyclé son idée en fait dans une console à part, qui s'appelle la Philips CDI. Malgré l'échec du contrat, en fait, Philips a quand même gardé le droit, selon le contrat, d'exploiter un jeu Mario et 3 jeux Zelda. Normalement, à la base, la console elle était surtout faite pour les jeux éducatifs, mais beaucoup de jeux normaux ont été faits dessus, et beaucoup de grosses merdes au passage. Bref, ces jeux, même si vous y avez pas joué, vous les avez peut-être vus au moins une fois sur internet, puisqu'en fait, les cinématiques de ce jeu sont tellement connues pour être moches et mal foutues qu'elles sont devenues célèbres dans les YouTube poops. Ce jeu, d'ailleurs, c'est un peu le passage obligé pour tous les testeurs du net, tellement qu'il est réputé pour être mauvais. Alors bon, je vais peut-être rien vous apprendre de neuf, tout a déjà été dit dessus, mais en tout cas, ce coup-ci, c'est à mon tour de m'amuser. Code 41, blessé grave ici. Oh, bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix est ce pour quoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Votre Majesté, Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Goridai. Que pouvons-nous faire? Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. C'est génial! Je prends mes affaires! Ok, alors stop! Alors déjà, pour commencer, là il y a marqué rien du tout, poisson, rien du tout. Ensuite, Ganon. 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 C'est qui Ganon? Mais là, je viens plus longtemps avec Ganon! Alors oui, je sais pas, c'est peut-être lui, mais l'ennemi il s'appelle Ganon, pas Ganon. Ah oui, et tiens, un dernier truc aussi, Ah oui, pourquoi c'est aussi moche?
Mon épée sur... Hein, mais regardez-moi ça, enfin, mais même si j'arrête image par image, je tombe à chaque fois sur un truc affreux. Et un petit baiser pour me porter chance. Oh. Tu... Putain, mais c'est dingue. Je plaisantais. Ah, putain, mais c'est quoi ce truc? Bon, sinon, au niveau de la voix, ce jeu, c'est le premier où on entend Link parler. C'est la voix de Tintin, d'ailleurs, si vous l'avez pas reconnu. C'est cool, non? Et c'est aussi le dernier où il parle. Et c'est pas plus mal, en fait. Et Flash, me voilà. Ouais, ta gueule. En fait, c'est pas vraiment un problème de voix, c'est plus un problème de texte, à mon avis. Squalala, nous sommes partis. En fait, vous aurez peut-être fait le rapprochement, d'ailleurs, si vous avez vu mon sujet sur les adaptations de jeux vidéo en dessin animé. Mais je pense qu'il y a des chances qu'en fait, ce jeu soit adapté du dessin animé Zelda, parce qu'on y retrouve un peu le même genre de Link un peu abruti et de Zelda un peu garçon manqué. Mais je suis vraiment désolé, princesse. Bah d'ailleurs, comme preuve, dans le second jeu Zelda sur CDI, Wind of Gamelon, c'est Zelda qui prend l'épée et qui part sauver Link. Et d'ailleurs, la cinématique d'intro est encore plus horrible au passage. Je pars pour Gamelon pour l'aider. Moi j'aime beaucoup les mouvements du roi en fait, c'est pas des zooms, c'est lui qui glisse. En fait il est sur des patins à roulettes. Sinon moi je n'ai pas donné signe de vie, envoie Link. C'est sûr, Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Oh Link, pars pour Gamelon et trouve mon père. Super, je suis impatient de bombarder les Dodongo. Attends, Link vient d'exploser là. Bon. Allez, revenons au jeu donc maintenant. Alors le jeu Link Face of Evil commence donc évidemment sans explication, hein. On a le choix entre 3 niveaux. Donc j'ai choisi complètement par hasard celui de la neige, puisque rien n'indique lequel il faut prendre. Au passage donc on ramasse des boules de neige mais qui ne servent à rien. Ah bah oui aussi, j'ai oublié de dire un truc, c'est que j'ai beau avoir cherché partout dans mes cartons, j'arrive pas à retrouver ma manette de CDI. Donc histoire de rajouter du délire à ce test, je suis obligé de jouer avec une manette de base qui est pourrie et qui est pas du tout adaptée à ce genre de jeu. Ouais! Le jeu se joue donc à la façon d'un Zelda 2, hein, comme un side-scroller, on navigue entre les niveaux en passant par une carte du monde. Alors bon, déjà, je suis pas vraiment un grand fan des Zelda en vue de côté, mais alors là, ce jeu, ça m'a achevé de détester ça. Mais moi, ce qui m'a le plus gonflé, mais genre très largement, dans ce jeu, c'est le bouclier, quoi. Dans les Zelda récents, ou dans Link's Awakening, par exemple, t'avais un bouton hein, qui te permet de brandir le bouclier. Mais là, le système, ça fonctionne un peu de manière chelou, on dirait un genre de mix entre Zelda 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'en fait, le bouclier ne s'active que quand tu es immobile. Alors sur le fond, le principe est pas ultra mauvais, hein, ça marchait plutôt bien dans Zelda 2, mais ça marchait quand le bouclier s'active immédiatement, hein. Pas quand il met 2 putains de secondes à lever son bras. Non mais vous le voyez là? Dès que je suis en mouvement et que je m'arrête, en fait, il y a une trame de 1 seconde pratiquement où Link ne bouge plus, où le bouclier reste baissé. Ben franchement, là, je vous jure que cette seconde, cette petite seconde, elle va vous faire chier des cactus. Parce que toutes mes morts, pratiquement, c'était à cause de ça. Non mais je veux dire, est-ce que vous trouvez ça normal de devoir avancer mètre par mètre comme ça? Sérieux? Tout ce que je fais, je dois le faire en prenant en compte qu'il y a un lag sur le bouclier. Oh, va te faire foutre! Bon, j'ai trouvé une clé qui ouvre la porte et... Et ok, les ennemis sont invincibles, donc j'ai fait tout ça pour rien! On va passer une bonne journée! Bon, allez, je prends un autre niveau, je galère, je crève une fois, je crève deux fois, je crève trois fois, je recommence, je m'énerve, je vais tuer des chiens dans la rue pour me passer les nerfs, Hein? Mais non, mais j'ai jamais fait ça, mais enfin, mais c'est pas une rue, c'est une avenue. Bref, j'arrive au bout finalement, et à l'intérieur, tout est noir, on voit que dalle. Ok, donc évidemment, si j'essaye d'avancer, je suis bloqué. Y'a Squalala qui me dit d'aller voir Goronou. Regarde, et va voir Goronou. Ok, mais en fait Goronou, c'est exactement l'endroit où je suis, tête de gland! C'est incroyable, pourquoi est-ce que dans tous les RPG, il y a toujours des abrutis comme ça? Salut à toi, joueur! Trouve le forgeron et remets-lui ce message! Enfin bref, donc, je prends le dernier niveau, hein, puisqu'il n'y a plus que celui-là. Donc, il y a une bonne femme qui dit un truc avec un accent parisien incompréhensible. Dédéra sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou! J'ai utilisé un crâne comme verrou, et pas une des rats n'a réussi à le comprendre. Nintendo et les boîtes de thon, le petit navire présente Link Face of Evil. Bon, soit donc j'avance, hein, je vais au bout du niveau, je trouve la cabane d'un vieux pêcheur, il me donne la Master Sword. Ensuite, je retourne sur mes pages... Hein? Attends, c'est un vieux pêcheur qui vient de me donner la Master Sword? C'est un vieux pêcheur dans une cabane en ruine qui vient de me donner la Master Sword, l'épée la plus puissante dans les jeux Zelda. C'est le plus gros crabe que j'ai jamais attrapé. Mais c'est un goma. Tu es plutôt doué. Tiens. Oh, merci. Quoi? C'est quoi ces explications, là?
Tiens, t'as un crabe. Tiens, voilà l'épée légendaire. Bon, tu me diras, non, c'est vrai, c'est qu'un détail quelque part, mais ce genre de détail, franchement, mais c'est comme la moustache de Vegeta, quoi, c'est insupportable. Et puis en plus, la Master Sword, mon cul, la Master Sword, elle te permet de tirer des lasers quand tu as tous tes cœurs, mais dans ce jeu de merde, t'as jamais tous tes cœurs. Dans un Zelda normal, hein, tu trouves des cœurs un peu partout, hein, sur les monstres, en cassant des objets, mais ici, y a rien, y a aucun objet à casser et aucun monstre ne lâche un cœur, aucun. Même dans Zelda 2, tu croisais des fées un peu partout, mais là, y a rien. Le premier objet pour gagner de l'énergie, je l'ai croisé au bout de 8 heures de jeu. Oh là là, putain, moi je suis toujours perdu en plus, là je sais pas où il faut aller. La neige s'est bloquée, la caverne s'est bloquée, le volcan y a rien. Voilà, et depuis tout à l'heure, je tourne en rond partout dans le jeu, là, en écoutant la musique de merde de ce jeu. Parce que oui, ce jeu a vraiment des musiques de merde, quoi. Je veux dire, alors, ça me fait mal de dire ça, franchement, parce que les musiques de Zelda sont magnifiques, d'habitude, mais là, les musiques dans ce jeu, mais c'est un suppositoire musical, quoi. Ok, c'est chaud ce soir, soirée camping, et tout, on se fait debout et on tente de l'air. Enfin, non, disons qu'en fait, pour être précis, si j'étais en 1984, dans une boîte de nuit qui s'appellerait le Macumba Night, je pourrais peut-être éventuellement trouver ça comme étant de la bonne musique. Manque de bol, là, à l'heure actuelle, je suis en train de jouer à un jeu vidéo sur Zelda. Et je trouve ça légèrement hors sujet, en fait. Allez, une autre. Synthé. Eh, vraiment, ça me fait gravement penser aux musiques des années 80, alors pourtant, le jeu, il est sorti 10 ans après, quoi. J'aimerais bien savoir comment ils ont réagi chez Nintendo quand ils ont vu ça, quoi. Bon, alors sérieusement, je comprends rien à ce jeu, je vois pas ce qu'il faut faire. Normalement, là, si j'étais dans un jeu vidéo, c'est à ce moment-là que quelque chose viendrait m'aider. Hibou ? Allez, c'est bon, du balai ! Sors ! Allez, hop, hop ! Alors réfléchissons, il doit y avoir un indice dans les dialogues, hein ? Dedera sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. Alors, Dedera sortait du cratère. Donc, Ra. Ra, c'est le dieu du soleil. Le soleil, c'est la vie. Pour vivre, on a besoin de calcium. Le calcium fortifie les os, squelette, crâne, squelette. Voilà, c'est ça, il faut taper le crâne du squelette, c'était évident. Voilà, donc évidemment, j'arrive dans la grotte du volcan. En fait, il fallait deviner que ce crâne-là bloquait la porte ici. Quand bien même, il y avait 2 mètres entre les deux. Ah mais tiens, maintenant les boules de neige me servent, enfin. Bah, une des trouvailles de ce jeu, en fait, c'est de devoir utiliser les boules de neige pour tuer les ennemis de feu et les boules de feu pour tuer les ennemis de glace. Alors bon, le concept aurait pu être intéressant, en fait, si le nombre de boules à récolter n'était pas totalement exagéré. En fait, la moitié du jeu, je le montre pas, mais la moitié du jeu, environ, consiste à tourner en rond dans les zones de glace et de feu pour farmer les boules. Et je peux vous affirmer que c'est méga lourd de devoir farmer tous les deux niveaux. Et c'est pareil pour les rubis en fait, parce qu'on n'a jamais autant eu besoin de rubis que dans ce Zelda en fait. Les bombes coûtent un prix mais hallucinant. 20 rubis pour 3 bombes et surtout, tous les objets coûtent des rubis à l'utilisation. Sinon, pour parler un peu des graphismes, hein, si on enlève les horribles vidéos, ben c'est pas laid quand même, faut l'avouer. Le style tout en dessin des décors, c'est assez joli. Par contre, ça pose un autre gros problème, c'est pour les plateformes, pour savoir où elles sont en fait. Puisqu'on sait jamais réellement où marcher, je veux dire, qu'est-ce qui fait partie du décor et qu'est-ce qui est une plateforme. Bah tenez, en voilà une là, un rocher arrondi. Où est le début de la plateforme là, hein? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Bah oui, bien sûr, passe à travers, allez. Allez, deuxième essai, même chose à la sortie, où est la fin de la plateforme? Elle est là! Oh sérieux, ce jeu, mais ça me déprime quoi, je vais devenir gothique avant la fin de la vidéo si ça continue. Bon bah sinon autre chose, hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que ce jeu est affreusement difficile? Chaque zone est composée de 3 à 6 tableaux différents remplis d'ennemis. Chaque fois que tu meurs, tu reviens au début du tableau en cours. Et au bout de 3 morts, c'est cuit, tu reviens sur la carte du monde et t'as plus qu'à tout refaire. Alors dit comme ça, ça a l'air facile, mais à l'usure, t'es obligé de crever, même en faisant hyper attention. Déjà, comme j'ai dit, à cause du fait que tu trouves quasiment jamais aucun moyen de remonter ton énergie, mais surtout à cause du fait que les ennemis, il y en a partout, ça repop en boucle, ça s'arrête jamais, c'est insupportable.
En fait, vraiment, il y a tellement d'ennemis volants dans ce jeu que je vous jure que c'est vrai. Pendant qu'on testait le jeu, j'ai pété le bouton haut d'une de mes télécommandes de CDI. J'ai vraiment pas fait exprès, hein, sans déconner. Hein. Alors bon, j'en ai bien trouvé une deuxième, mais manque de bol, bah, je l'ai égarée aussi, je sais pas où elle est. Et finalement, bah, c'est Seb qui en a trouvé une qui marche. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans lui, hein. Retour au jeu. Le vrai plaisir d'ailleurs avec les ennemis volants, par exemple sur les chauves-souris ou sur les ptérodactyles, c'est que leur hitbox en fait elle est située juste sur la tête. Ça veut dire que si tu les frappes sur 90% du corps, tu les tues pas, t'es obligé de les taper pile sur la tronche. Et puis bon, ils utilisent vraiment n'importe quoi comme excuse pour avoir des ennemis volants dans tous les niveaux. Dans un autre niveau qui s'appelle Firestone, hein, comme la marque de pneus, et ben les ennemis c'est des pneus. Voilà, des pneus enflammés qui volent. Et à tête chercheuse aussi, c'est des pneus enflammés qui volent à tête chercheuse. Voilà, c'est normal quoi, tu vois, va chercher le lien avec l'univers de Zelda là, vraiment. Ben, en plus je veux dire, il y a Squalala au début du niveau là, il veut pas m'emmener en bas au lieu de m'branler. En plus, le level design vraiment, il a été fait par des vieux cochons parce qu'il y a des endroits où c'est hyper vicieux, genre là. Juste au moment où tu arrives près de l'échelle, t'as les machins qui apparaissent. Donc toi, du coup, bah, t'appuies sur O hein, pour pouvoir sauter, pour pouvoir les tuer. Sauf que non, en appuyant sur O, ça te fait monter à l'échelle. Mais je veux pas monter à l'échelle! Et on sait jamais, hein, au cas où t'arriveras en haut, il y a quand même un ennemi qui te balance des trucs en étant hors de l'écran. Super! Bon, allez, c'est reparti. Non, 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 mais comment tu veux que j'évite ça? Je suis dans le jeu depuis 2 secondes, j'ai même pas fait 1 mètre, t'as le dinosaure qui me plonge dessus et le mec qui me balance des haches à droite. Ah, non! Ah, dans la tronche, allez! Oh! Alors, regarde-moi ça, j'ai fait 2 mètres, j'ai déjà plus un cœur, quoi. Merde! Allez, cette fois je fonce. Bon allez, toi je te tue. Allez, top. C'est tranquille, c'est bloqué. Et de je te tue. Non, non, mais oui, c'est ça. Allez, avance. Non, non. Ah, mais je me fais harceler, mais putain, mais non. Ah, mais sortez, mais qu'est-ce que je vous ai fait, quoi. J'ai tué toute votre famille ou quoi? Bon, c'est vrai, j'ai peut-être tué toute votre famille. En fait, j'ai tué tellement de bestioles sur cette île qu'à mon avis, j'ai complètement foutu en l'air l'écosystème. Et... ah. Oh, bon, j'en peux plus. Ah, 6. You Challenger. En fait, pour avancer dans le jeu, le cœur du système, c'est de faire des allers-retours entre des personnages et des endroits pour obtenir des objets qui permettent d'avancer. Par exemple, dans ce niveau, à la fin, on va croiser une péripatéticienne qui nous demande d'aller chercher son collier à l'autre bout du continent. Ok, vite s'il te plaît. Ouais, c'est vrai Janine, il y a marqué Chronopost sur ma tunique verte, t'avais pas vu? Donc on doit aller tuer un dragon qui lâche son collier, et une fois qu'on lui ramène, elle vous donne une fiole. Ah oui, oui, elle tripote les nénés, carrément, ouais. Je me demande vraiment si dans le cahier des charges du jeu, il y avait marqué « personnage moche ». Par exemple, là, quand t'arrives là, tu te dis enfin « c'est bon, je vais parler à une jolie blonde ». C'est vrai, hein, tu vois, là, c'est Ingrid, 19 ans, de Suède, mais quand tu lui parles, c'est Marie-Claude, 49 ans, du Bois de Boulogne. Et c'est pareil dans Moins de Gablon, sérieux, c'est censé être un personnage amical, ça. On dirait Jean-Marie Le Pen déguisé en femme. J'aurais un menton magique. Ce n'est pas grand-chose, mais cela te permettra de transporter de l'eau. Heureusement, la fiole sert beaucoup, hein, puisqu'on peut la remplir, par exemple, à la fontaine des fées, pour s'en servir de potion de vie, quoi. Au moins, on peut reconnaître à ce Link-là, comparé au Link d'Ocarina of Time, c'est que pour récupérer de l'énergie, il utilise de l'eau, quoi. Parce que ça m'a toujours fait délirer. Dans les Zelda 64, Link, lui, pour récupérer de l'énergie, il kidnappe des fées. Salutations, héros du temps. Comment veux-tu que... Assiste! Ouais, faudrait que je fasse filer cette porte quand même. Hey! Ça vous a plu? Alors on continue! L'avantage avec ce jeu, c'est qu'il est parfaitement linéaire. Hein. Il devient plus dur, plus moche et de plus en plus incohérent. Et évidemment, hein, ça vaut surtout pour la cohérence des tableaux. Non mais je veux dire, explique-moi l'utilité de mettre des ennemis comme ça. Explique-moi. Tiens, j'ai une idée, tiens. Et si on mettait des ennemis qui sont immobiles, donc ils servent à rien, mais on les met bien à mi-hauteur d'un saut, comme ça ils sont bien chiants à toucher, tu vois. Et surtout, on va leur mettre 50 000 points de vie, de manière à ce que ce soit les ennemis les plus longs du jeu à tuer. Alors tu vois, comme ça ils sont immobiles, ils servent à rien, mais ils font chier tout le monde, c'est génial. Tiens, et c'est pareil pour le rocher aussi, tiens, par exemple, là, regardez, on va mettre un rocher, là, qui se casse en une bombe, et 10 mètres plus loin, on remet un second rocher, sauf que celui-ci, il faudra pas une bombe pour le tuer, il en faudra 10. Comme ça, t'auras tous les cons de la Terre qui vont tourner en rond dans tout le jeu pour essayer de chercher un objet magique pour péter le rocher, alors qu'en fait, y'en a pas.
Mais moi, mon petit plaisir, c'était dans l'avant-dernier niveau. Hein. Tu te tapes un niveau qui est méga lourd, qui est rempli d'ennemis qui te butent en un coup, quasiment. Tout ça pour aller chercher une lanterne magique de merde. Là, c'est l'objet le plus important du jeu, qui te permet d'aller chez Ganon. Et devinez qui vous la donne. Sérieusement, devinez qui. Enfin, tu as eu la vision pour trouver ma maison. Le sale petit Peggy 18. Quoi là là. Depuis le début, le mec, tu le croises dans tous les niveaux, alors qu'en fait, il a sur lui l'objet que tu cherches pour aller à la fin du jeu, quoi. Bon, bon, allez, vas-y, bon, ça m'a saoulé, là, écoute. Je sauvegarde, voilà. Et je continuerai demain, hein. Allez, c'est bon. Petit, les sauvegardes de ce jeu ont disparu. C'est génial! J'ai hâte de tout recommencer! Un jeu qui va regretter de m'avoir connu, tiens. En route pour l'aventure. Et c'est ainsi que le héros du Salami partit à l'aventure pour emprisonner le mal une fois de plus. Il vécut des aventures fantastiques, brava les éléments, affronta les pires jeux du monde et les plus belles filles du royaume s'arrachèrent les vêtements pour lui. PS, n'allez pas croire que cette fin est une ruse de flemmard pour pallier au fait qu'on n'a pas eu le temps de la tourner ou au fait qu'aucune fille n'a réellement souhaité s'arracher les vêtements pour nous.